La Fédération algérienne déclare la rupture avec Djamel Belmadi. La polémique éclate alors que Djamel Belmadi s'engage dans un différend ouvert avec sa fédération, qui brise le silence dans un communiqué cinglant envers son sélectionneur. Les jours suivant une défaite sont toujours plus complexes à gérer. Éliminé dès la phase de groupe de la Coupe d'Afrique 2023, à l'instar de l'édition 2021, l'Algérie réagit vivement. La fédération a décidé de mettre fin à sa collaboration avec Djamel Belmadi et son staff technique. Cependant, l'ex-sélectionneur ne l'accepte pas facilement. En conflit ouvert avec Walid Sadi, le président, il décline l'invitation à une rencontre visant à trouver un accord pour mettre fin à l'aventure. Il ne se présente pas, lançant ainsi un bras de fer. La presse locale évoquait une indemnité de 6 mensualités, soit 1,25 million d'euros, pour résilier son contrat qui court jusqu'en 2026. Une bataille judiciaire semble inévitable, car la fédération, secouée, n'hésite pas à sortir de son mutisme en se réservant le droit d'en tirer les conséquences légitimes. Conséquence immédiate, Djamel Belmadi est toujours sous contrat alors que l'équipe nationale a un rendez-vous international dans seulement 7 semaines. Une situation qui n'apaise pas le contexte sportif actuel. Dans son communiqué, la FAF rappelle d'abord les résultats décevants de ces dernières années, en particulier les 2 Coupes d'Afrique manquées après le triomphe de 2019. Elle affirme également qu'un accord avait été conclu entre Belmadi et le staff lors d'une première rencontre, avant d'être mis par écrit une fois de retour au pays. C'est à ce moment que les problèmes ont commencé. Tous les membres du staff technique avaient signé l'accord de résiliation amiable, à l'exception de Djamel Belmadi qui s'est étrangement rétracté, demandant un délai de réflexion supplémentaire, considérant l'accord financier convenu en deçà de ses attentes. Le sélectionneur a alors quitté le pays, laissant la fédération dans l'incertitude. La FAF considère son silence et son départ du territoire national comme un refus et se voit contrainte de tourner définitivement la page et de se projeter désormais sur un nouveau défi avec un nouveau sélectionneur et un nouveau staff technique qui seront désignés prochainement. La fédération a pris acte de cette posture regrettable et se réserve désormais le droit d'en tirer les conséquences légitimes. Elle agira en fonction de la protection des intérêts majeurs du football national. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne.